Hello mes amis, cette vidéo elle est faite pour vous. Si vous êtes célibataire, vous êtes seul et que vous désirez être en couple et que vous êtes vraiment dans cette situation où vous ressentez des moments de manque qui sont durs à gérer, qui ne sont pas évidents, des moments de solitude qui sont fortes et comment gérer en fait ce moment de manque. Alors très souvent, je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes dans ces moments-là, parce qu'il y a quand même parfois des moments de grande nostalgie, d'un désir intense d'être avec quelqu'un, d'avoir en même temps je cuisine, donc d'avoir un fort désir de je vais diminuer mon feu, hop là, on est en live, c'est l'avantage. D'avoir un fort désir d'être en couple, mais ça ne se fait pas maintenant, donc ça vous demande de patienter, c'est pas évident pour vous. Comment faire? Il y a une chose que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que ce sentiment de manque est en fait un sentiment très précieux en termes de reprogrammation dans votre système pour augmenter les chances de rencontrer la personne que vous voulez rapidement. Je réexplique et je vous redis. Ce sentiment de manque, mes amis, il est précieux. C'est précieux que vous le saisissez, que vous en faites quelque chose. Parce que si vous en faites vraiment quelque chose de ce sentiment de manque, de l'intensité de cette vibration du manque, si vous l'exploitez vraiment, vous augmentez les chances de rencontrer la personne que vous désirez vraiment. Comment faire? C'est ça la question. Comment faire? Alors, comprenez bien que si vous avez... Vous êtes activé par ce sentiment de manque, par cette vibration du manque. La vibration du manque, elle est là. Mais mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que cette vibration du manque, elle dénote aussi de votre vibration du désir d'être en couple. L'intensité du manque correspond à l'intensité du désir d'être en couple. Donc ça vous invite à retourner la face de la pièce, mes amis. Ne voyez pas que le manque pour un manque, mais voyez ça, connectez-vous à dire « Ah, je mesure l'intensité du manque et ainsi je mesure mon intensité de vouloir être en couple aujourd'hui. » Et je vais en faire quelque chose de cette vibration, justement. Je vais en faire quelque chose de cette vibration. Bien sûr, ceux qui ont déjà fait le programme « Créer une vie sur mesure, une nouvelle vie », utilisez immédiatement le processus de reprogrammation pour saisir l'intensité de cette vibration, pour l'imprimer dans votre subconscient et votre vibration intérieure. Pour ceux qui n'ont pas fait le processus, inscrivez-vous au programme « Une nouvelle vie ». Voilà, c'est simple. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que retournez la face de la pièce et reconnectez-vous tout simplement au fait de dire « Ah, aujourd'hui je reconnais ». Reconnaissez tout simplement déjà « J'ai un vrai désir de rencontrer quelqu'un maintenant. C'est ça ma volonté, c'est ça que je veux. Et c'est ça que j'imprime dans mon cœur aujourd'hui. » D'accord? Et effectivement, tout ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez vivre. Tout ce que vous ressentez, c'est ce que vous allez vivre. Tout ce que vous vous autorisez à ressentir, c'est ce que vous allez vivre. Et si vous vous autorisez à ce moment-là de dire « Aujourd'hui, je m'autorise à rencontrer quelqu'un. Je sens que je suis prête à ça. J'ai envie d'ouvrir mon cœur à rencontrer une personne. » Peut-être que ce que vous pouvez aller explorer, effectivement, c'est d'aller explorer quels sont les blocages que vous avez pour rencontrer quelqu'un. Alors là, ça mériterait peut-être de faire une séance diagnostique pour aller voir. Si vous ne le voyez pas, il y a peut-être certainement des blocages qui font que la personne qui vous correspond n'apparaît pas encore dans votre monde, dans votre système. Ça, oui. Mais si vous avez un manque, s'il vous plaît, ça vous permet juste de vous reconnecter, de mesurer l'intensité de votre désir d'être en couple. Voilà, c'est ça que vous voulez. Maintenez ça, maintenez votre désir. Allez droit dans ce qui est important pour vous. S'il y a des peurs et des blocages à déprogrammer, faites le nécessaire pour que vraiment que les voies s'ouvrent pour vous. D'accord? Mais le manque, ça ne veut pas dire que la relation n'est pas faite pour vous. Que non. Ça voudrait dire que ne cherchez pas à être seul. C'est pas ça l'optique. C'est pas la voie à emprunter. C'est que vous avez un désir d'être en couple
et c'est ok, et c'est correct, et c'est bon. D'accord? Maintenez ça, déprogrammez vos peurs et vos blocages, faites la liste. Si vous savez le faire par vous-même, c'est nickel. Vous ne savez pas, vous prenez une séance avec moi, diagnostic, pour qu'on voit déjà qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que vous puissiez augmenter les chances de vivre cette relation, d'attirer cette personne qui vous correspond vraiment. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un nouveau regard sur le manque. Le manque, cette vibration du manque, et que vous puissiez transformer ça en une vibration pleine d'un désir intense d'être en couple. Et ça, c'est le point de départ de votre démarche. C'est le point de départ d'un travail sur soi. Ok, j'ai envie d'être en couple. Ça, c'est clair. On ne va pas remettre ça en question. Et j'ai envie d'être en couple maintenant, puisque le ressenti, c'est maintenant. D'accord. L'intensité de ce manque, c'est l'intensité de votre désir. L'intensité de l'urgence pour vous d'être en couple. Ok. Bon, ben, d'accord. La question qui suit, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos blocages? D'accord. Vous y arrivez seul? C'est très bien. Vous n'y arrivez pas? Contactez un thérapeute qui vous aide à le faire. Voilà. C'est important. Parce que ce désir, il est fort en vous. Ça montre que ce n'est pas négociable. Ok? Voilà. J'espère que cette feu sans filtre, je vais rentrer dans ma cuisine et tout, que ce process déclic va vous aider vraiment. Voilà. Je reste à votre écoute et à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin d'une séance diagnostique. Je vous dis à très vite.